J'ai fait des sculptures avant et je Ah. comprends l'espace en film et j'ai découvert l'espace en film. La lumière va through film. Et aussi, je parlais de peinture aussi, les couleurs. Je regarde le history of art et je parlais au sujet de ça, donc des différentes pièces. Aussi, pour moi, c'est de sentir quelque chose. Si tu sens quelque chose, j'ai réussi. Si ça fait mal pour moi de faire quelque chose, je comprends que peut-être les visiteurs avoir j'ai réussi for them to understand what I want to, qu'est-ce que je veux faire. Ok, donc Si tu le thème récurrent, c'est l'enfance, ouais. c'est une plongée dans votre univers, donc c'est presque de l'art-thérapie quelque part. Pour moi, oui. Pour moi, si j'ai eu une angoisse, un rêve, je fais le film de remove, comment dire remove, d'enlever le sentiment. Le sujet, c'est la vie. C'est pas seulement les enfants, c'est notre. Nous sommes des enfants quand on est petit. Il y a un enfant entre nous. C'est le sujet de l'amour. Ça, c'est un autre. C'est l'amour de relation de l'enfant et du monde. C'est la même chose que nous et tout le monde. Pour exemple, il y a un film qui s'appelle Trout. Et il va en arrière et tout le monde va à l'autre direction. Et il y a un signe, il a un chapeau comme un poisson et il a un signe qui dit Love me. Mais tout le monde va dans une autre direction, donc c'est la même C'est un pour peu la nous. métaphore de ce qui se passe aujourd'hui dans le Oui, monde. exactement. Donc le rôle de l'artiste, c'est justement là, c'est de Pouvoir, montrer encore du positif. oui. Dans cette vision apocalyptique Yeah, de ce qui se passe dans le monde. Ouais. maybe, ou pour avoir une translation de notre langue pour les gens de regarder avec des nouvelles yeux. Comme quelque chose. J'aime bien les choses très. Séductive. Séductive. J'aime bien ça parce que au début, tu arrives, les gens peuvent veulent regarder. Je veux qu'ils veulent regarder. Et puis après ça, je discute. Une autre vue du monde. C'est ça. Donc vous adoptez les techniques de la publicité pour capter l'attention. Cela dépend lequel, parce que je comprends la matière. Et si c'est vidéo, c'est comme. C'est beaucoup plus immédiat pour les gens. Ils comprennent que ils peuvent prendre une vidéo et c'est donc la matière, c'est important. Pour le 35 mm, il y a des fois que je veux vendre l'image. Donc c'est comme un advertisement. C'est ça. Pour 8 mm, c'est comme comme des mémoires. Donc OK. je traduisais le matière de film que j'utilise. Donc, par exemple, dans la vidéo avec le petit enfant dans sa camisole de force,
c'est un montage ou ça traduit une réalité? Quel est le processus de... How did I make it? Yes. Ah, non, c'est, j'ai fait un cellule, c'est cellule? Oui. En velvet. Oui, oui, en velours. Velours. Ouais. Pour une contradiction, pour le cell normal. Et j'étais sur le haut, il est en bas. Et puis j'ai eu une pièce de plastique avec un arachnide sur le à la fin de cette et j'ai plongé the spider. Il arrivait jusqu'à près de visage et puis il commence de rire. D'accord. Et à ce moment je filme quand l'élastique il retourne retiré. C'est un trucage de cinéaste, finalement. Yeah, mais exactly. Est-ce que vous avez des envies de cinéma, par exemple? Quitter la vidéo pour faire un long métrage. Un long métrage. Ça vous... J'ai fait un long métrage. Ouais. Maintenant, j'ai mis pour la sélection de Cannes, s'il va choisir. C'est ah bon? Compétition. Il arrive là-bas demain, donc le même jour pour... Ici et c'est, on peut parler de ce film. C'est, ça traite des mêmes sujets que dans vos vidéos, ou c'est oui. une nouvelle. La même sujet. Il y a beaucoup de sujets, mais j'ai 2009, j'étais invité par Sundance Film Festival pour être le célèbre artiste. J'ai mis 14 de mes films dans cet endroit. Et ce film projeté à Cannes, ça va parler de quoi, l'histoire? Notre film, les mêmes d'ici. Et it was called New Frontiers. So I was the artist spotlight. Mm-hmm. So il veut que il emmène les artistes qui il pense que il a quelque chose de nouvel pour le cinéma. Donc j'ai fait ça et puis après ça j'ai écrit un long métrage qui s'appelle Blue Whiting. Mais personne donne moi de l'argent de faire. Donc j'ai décidé de faire un long métrage chez moi. Et c'est une histoire d'un artiste avec des enfants. Donc j'utilise mon situation. Pour faire. Et puis, quand tu vois le film, tu ne connais pas que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Ça, oui. Ça, c'est la chose qui est intéressante. J'utilise mes films pour des rêves dans le film. J'utilise mes films pour savoir que c'est un artiste qui fait une installation dans la maison et elle fait cette œuvre. Normalement, donc, mais à la fin, il fait très comme mon propre travail ici. C'est pas toujours vrai qu'est-ce que je fais ici, mais dans le film, je fais la même chose pour les personnes qui voient le film. Ok. I take them on a journey. Et je trouve que votre travail a un côté un peu religieux aussi. Oui, c'est vrai. Si vous prenez chaque pièce, je toujours dis tu dois lui donner, tu dois honorer chaque pièce. Et j'ai fait beaucoup des choses avec de lumière et il y a quelque chose qui est qui tu sens ouvert un peu dans le travail. Et maintenant j'ai fait 4 films avec des différentes églises. J'ai fait des œuvres avec mon fils qui est Charlie Chaplin, donc le même mouvement de Charlie Chaplin. Et il a peint une église en Inde rouge. Ça dans le paysage, ça c'était assez dangereux de faire
de faire ça. En Grèce, il y a un cheval et puis un fils de rouge fil. Ouais. Il fait le tour avec le cheval autour de l'église. So it like ties up, comme on dit, je ne sais pas en français, mais to tie up the church, l'église. Ok. Avec un mosque, Charlie Chaplin a peindre sur un grand pièce de a board sur la rue et il fait un porte. C'est ça. Et puis il a pris un handle, il ouvre la porte, il enlève le chapeau, enlève les chaussures et va dans le mosque. Donc il y a cette volonté dans votre travail de restauration du sacré est une constante aujourd'hui. Oui. Et avec le... Ok, je dois... Okay. Avec...